Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 5 de Koh-Lanta, c'est bientôt la fin, enfin c'est bientôt la fin, plus que 12 coureurs en lice. Et après vous avoir baratiné avec des bonus aussi farfelus les uns que les autres, j'ai presque failli gâcher un épisode, notamment aujourd'hui. Le concept il est très simple, 12 coureurs, un petit tour de 4 étapes, les 6 meilleurs passent à l'épreuve suivante et seront qualifiés pour la prochaine vidéo. Et les 6 moins bons, bah, passent à la trappe, tout simplement. Voilà, c'est très simple aujourd'hui, c'est très facile à comprendre. On est sur la vidéo numéro 5, la 6ème sera la dernière, quasiment la dernière. Je réserve un petit face-à-face entre les deux meilleurs coureurs pour l'épisode 7. Mais voilà, concrètement, on fait un tour de 4 étapes, les 6 meilleurs passent, les 6 moins bons passent à la trappe. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Alors, il ne nous reste plus que 12 coureurs en lice, comme je l'ai dit, on va aller les voir. Ben O'Connor chez AG2R, Vlasov chez la Astana, Inley chez la Borans-Grohe, Kian Thomas, donc il est chez Cofidis parce que voilà, la Ineos elle est déjà prise, Karwal, c'est une équipe pour combler puisqu'on peut pas mettre moins de 15 équipes, voilà, hop, mais on a 12 coureurs mais on peut pas mettre moins de 15 équipes, donc je suis obligé de laisser la Karwal. La Ineos, on a Tom Pidcock. La EF, Richard Carapace, donc l'international c'est pareil, c'est pour combler. La Israël, première tech avec Remco Evenepoel, tiens, j'ai mis son petit champion du monde. Est-ce qu'il va le conserver? Demain, on verra bien. Primoz Roglic chez la Jumbo. La Groupama FDJ avec Godu. Movistar, Mas. Soudal Quickstep, donc Adam Yates, puisque la dernière équipe, la UAE, est déjà prise par Tadej Pogacar. Donc voilà, c'est parti pour ce 5ème épisode. Comme j'ai dit, le concept est très très simple. Cette fois-ci, je ne contrôle personne. On sera avec ce coureur que j'ai mis aux notes maximales. L'objectif, ça sera un peu de faire un caméraman. Tu vois, le but, c'est qu'il soit vraiment super fort. Comme ça, je peux aller où je veux sur la course. Si j'ai envie d'attendre les coureurs qui sont derrière, je les attends. Si j'ai envie de rejoindre les coureurs qui sont tout devant, bah j'y vais. Et en plus, c'est drôle. Vous voyez qui on a pris? Robert Stannard, il a été inculpé parce qu'il a utilisé des produits dopants, je crois. Et le truc, c'est que ça s'est fait entre eux. La vidéo qui est sortie, la dernière vidéo, l'épisode 4, et celui-ci. Donc concrètement, j'avais pas fait exprès, j'ai donné une petite picouse à Robert Stannard. Et puis directement pendant la journée, c'est sorti qu'il avait été condamné, c'est un grand mot, mais inculpé pour usage de produits de poids. Alors il pleut derrière moi, donc peut-être que vous allez entendre un peu de pluie. J'espère que ça va se dissiper. On n'est pas gâté hein, pendant ce mois d'août. Voilà les paramètres donc que j'ai fixés, il n'y a pas d'abandon, c'est nul en fait, si un coureur abandonne, le but c'est qu'ils aillent tous au bout, mais malgré tout on a quand même les chutes, donc c'est pas impossible que des coureurs soient handicapés à cause de chutes, en espérant qu'ils réussissent à récupérer entre les étapes. Donc voilà, 4 étapes, on va pas faire de tirage au sort, cette fois-ci je vais les choisir moi-même, on va se débarrasser de ces étapes-ci. Regardez, vous voyez le bonus, ça biaise en fait le résultat final, puisque la bonification elle est prise en compte quand on regarde le tableau. Donc pour éviter d'avoir ce problème lors de l'épisode précédent, je vais mettre toutes les étapes avec un bonus restante. Voilà le petit tour de 4 étapes que j'ai fait. J'ai pris les 2 étapes donc avec des bonifications qui restaient, celle de La Roche sur Foron et celle entre Annemasse et Morzine. Et donc j'ai pris 2 autres étapes qui arrivent au sommet. On va commencer avec la montagne de Lure et puis on terminera avec le col du Granon. Voilà, c'est sympa, c'est suffisant. C'est pas les étapes les plus dures du jeu, mais il n'y a pas besoin de faire des giga profils pour avoir du spectacle hein. Donc on est parti, suivant 4 étapes de montagne, donc voilà, plus que 15 équipes. On a des maillots différents, j'ai pris le kit Tour d'Italie. Donc voilà, on a un maillot différent pour l'Intermarché. Il va être tout beau, notre Evenepoel. Ah bah non, du coup il a le maillot de champion du monde par-dessus, c'est vrai. Carapaz en revanche, il va être tout beau, Israël premier. Et je suis bête, j'ai mis Evenepoel chez Intermarché. Non, il est chez Israël. Mais il est beau le maillot Israël du Giro aussi. Il est pas mal. On va partir du coup avec notre dopé avec tout le respect. Voilà, évidemment, mais il a été inculpé. Donc bon, là j'invente rien pour le coup. Bon, je rappelle, hein, comment est-ce qu'on fait avec ce coureur. Donc on n'attaque pas, on se contente simplement de suivre, on ne roule pas non plus vraiment, on est un suiveur à 100%. Le but c'est pas d'influencer la course, c'est de l'observer, c'est de la regarder. Bon, là j'aurais bien voulu influencer la course pour faire en sorte que les favoris aillent se jouer la victoire. Et manifestement, ils veulent pas aller gagner aujourd'hui, ça laisse 16-30 aux hommes de tête, c'est étonnant, hein. Il n'y a que 4 étapes, je sais pas à quoi ça joue. Bon, normalement 16-30, ils peuvent même les rattraper en une étape. Mais bon, j'aurais bien voulu les voir jouer la gagne quand même. Et on est parti dans cette montagne de Lure. Et bien écoutez, c'est exactement ce que je voulais voir. Je n'avais pas anticipé cette attaque de Primoz Roglic. C'est exactement ce que je voulais voir. Primoz Roglic qui part donc dès le pied de la montagne de Lure. Ça laisse à l'avant l'échappée se disputer la victoire. Mais ça s'envoie quand même des grosses bastos à l'arrière. C'est ça qu'on aime voir. Et c'est Henrik Maas, j'imagine,
C'est Herb. Alors, comment il fait son compte? Comment est-ce qu'il arrive à emmener ses coureurs derrière lui? C'est assez exceptionnel ce que Emmanuel Arvidsson a réussi à faire. On rappelle pour les nouveaux, peut-être que tous les autres coureurs ont la note minimale. C'est-à-dire, voilà, la note minimale, véritablement. Ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est assez fou qu'il ait réussi à faire ça malgré tout. Et allez, on s'assuit. Hein. S'assuit avec Gaudu Adam Yates. Je rappelle, il faut pas trop que j'interfère dans la course. On est là pour observer. Est-ce qu'on a des favoris pige à l'arrière, peut-être? Dans le peloton, c'est pas impossible. Hein. Ah, je pense pas quand même. Il y a Jay Hindley ici notamment. Jay Hindley, Geraint Thomas, Pogacar. Ah, bah si, il y a Pogacar. Il y a Remco Evenepoel. Ça doit être Carapaz ici, c'est bien ça. Vlasov. Voilà, on essaie de pas trop interférer, on observe. Et donc Primoz Roglic qui a pris une très très belle option. Pour l'instant, Gaudu et Adam Yates qui ont senti le bon filon également. C'est Pogacar, Mas et Hindley qui sont en train de sortir ici. Il y a Tom Pidcock aussi qui est très très bien parti. C'est une sacrée surprise, hein, Tom Pidcock, de le retrouver ici après toutes ces étapes, quoi. Enfin, c'est assez fou. Il fait partie des 12 derniers alors qu'ils étaient 30 au départ. Il y a quand même eu des très gros morceaux qui sont tombés, mais lui est toujours présent. Simon Yates par exemple est tombé. Félix Gall. Daniel Felipe Martinez, Carlos Rodriguez, et lui est toujours présent, Tom Pidcock, le britannique. Donc c'est assez fou ce qu'il a réussi à faire. Et ça repart là avec Ben O'Connor. Et il y en a qui vont devoir réagir ici. Hein. Il y en a qui vont devoir réagir. Est-ce qu'il y a des piégés derrière? Non, ils sont tous devant. Au moins ils sont tous devant, c'est bon. Donc là vraiment on va se comporter en pur suiveur. L'objectif, voilà, là on va pouvoir partir puisque ce ne sont pas des favoris qui sont avec nous. Hop. Et le but c'est d'aller regarder un max ce qui se passe. Regardez comment l'écart coule. Ils ont beau avoir 15 minutes de retard là, quasiment 16h30. C'est pas impossible que ça aille les chercher. Je vous le dis, c'est pas impossible que ça aille les chercher. Puisqu'à l'avant ils doivent être complètement cuits d'avoir fait toute l'étape à 4. Bon, ils vont. Je lance un pronostic assez fou, mais je pense que Roglic il va aller récupérer Grousseff. C'est mon prono. C'est mon prono. Je pense que Roglic va réussir à aller récupérer Dmitry Grousseff. J'en suis quasiment sûr. L'écart descend comme goutte. C'est quoi l'expression? Comme neige au soleil, voilà. Là, il va aller le chercher. Ah, j'abuse un peu. Au moins de Venins. Au moins de Venins, allez. Soyons optimistes. Au moins de Venins. Bref. La course qui s'est quand même bien animée, ça fait plaisir. Je pensais qu'il n'y aurait rien. Qu'on serait sur une course de côte un peu nulle. Mais je le dis, cette année, Tour de France, c'est quand même beaucoup plus animé. Franchement, on a connu des épuces où c'était chiant à mourir. Hein. C'était chiant à mourir, ça attaquait jamais. C'était attentiste au possible. Cette année, t'as beaucoup plus d'attaques, ça fait quand même plaisir. Allez, on va se rapprocher un peu avec notre super-héros. Ça fait une sacrée opération du côté de Roglic. Et là, ça se fait piéger en revanche en ce qui concerne Remco Evenepoel, Richard Carapaz et Alexander Vlasov. C'est une surprise hein, de ne pas voir Evenepoel à l'avant. Ah, ils sont pas si loin après tout. Hein. Ils sont quand même pas si loin. Est-ce que Roglic n'attend pas Gaudu et Yates derrière hein. Il s'en fiche, il ne les attend pas. Non, l'écart descend tellement, je vous le dis, c'est pas impossible qu'ils aillent les chercher. Hein. 12 minutes quand même à combler, ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais j'ai envie d'être optimiste. Allez, ça va se regarder dans ce groupe entre Roglic, Gaudu et Yates. On voit l'écart là qui descend très très rapidement ce qui concerne le groupe Evenepoel, alors que c'est beaucoup plus lent avec le groupe Gaudu et Yates. Ah, quoique, je pense que ça a remis en marche. Ça s'est entendu un peu pour éviter le retour de Pogacar et Tom Pidcock. Hein. Mais c'est très très serré quand même. Hein. C'est très très serré. Il y a à peine une minute, même 50 secondes. 50 secondes d'écart entre les derniers, entre guillemets, et les premiers. Enfin, j'ai voulu y croire, mais je pense que Grousseff, il va y aller malgré tout. Donc bravo. Mais bon, évidemment, il compte pas. Hein. Il ne compte pas. Ce qui compte, ce sont les favoris. Allez, on va accélérer un peu parce qu'ils sont en train de me mettre une vitesse là malgré tout. J'ai quand même envie de voir ce qui se passe de près. Voilà, puis on va reprendre du rouge. Pas non plus se mettre dans la roue, sinon ils vont attendre de moi que je roule. Donc c'est pas l'objectif. Il faut qu'ils agissent comme si j'étais pas là. Voilà, là on voit bien. Là on a une très belle caméra. Mais j'avais pensé la dernière fois, ça pourrait être sympa de faire un mode spectateur en fait, tu sais. Un mode spectateur où tu regardes juste la course. Hein. Et regardez, vous voyez que même sans nous, il y a de l'animation. Donc, ils n'ont pas besoin de notre présence. Ils n'ont pas besoin de nous. Bon, on est parti sur un giga regroupement. C'est assez fou, là. C'est assez fou. On part sur un regroupement. Un statu quo après cette première arrivée au sommet. C'est assez exceptionnel. Un statu quo, quoique il y a encore un petit écart avec le groupe Hindley et le groupe Pogacar. Et c'est Adam Yates. Vous voyez au fond Adam Yates qui en remet une. Adam Yates qui en remet une. Voilà. Ça descend à une vitesse, les écarts sur la gauche. Je pense quand même que Grousseff va aller la chercher, mais il s'en est fallu de très très peu. Il s'en est fallu de très 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 peu. Et ça décélère un peu le rythme. Le groupe Carapaz qui n'a pas réussi à faire la jonction quand il fallait le faire. Et c'est l'équatorien qui impulse l'effort. Et celui qui va faire la très très bonne opération aujourd'hui, c'est Adam Yates. Peut-être penser à un,
Petit bonus pour celui qui fait potentiellement maillot jaune. Je sais pas, ça peut être sympa. Il n'y en aura pas pour les victoires d'étape en revanche. Parce que si un mec qui remporte une étape finit dans les 6 derniers, bah, on pourra pas trop lui ajouter quelque chose. Mais je pense qu'on peut ajouter un truc pour les pour le potentiel maillot jaune en vue du prochain épisode. Bref, le dernier kilomètre, ça a été pas mal animé quand même, mais on va finir sur un statu quo. Hein. Quasiment statu quo, il y a eu peu d'écart, j'attendais plus pour cette première arrivée au sommet malgré tout. Et donc au moins Devenin ce qui va être rattrapé, mais les autres ça va le faire. Et ouais, Adam Yates qui va faire la très bonne opération, il reste dans la roue de Devenin, je sais pas trop à quoi il joue. Ah mais oui, c'est son coéquipier, bah ouais, j'avais pas tilté. J'ai mis Yates dans la, chez la Soudal Quickstep du coup, vu que Pogacar est déjà chez la UAE. Et allez, ça va franchir la ligne, tous dans le même groupe. C'est assez fou. Aucun écart. On va même aller finir avec eux. Aucun écart, à part pour Tom Pidcock peut-être. Oh, Pidcock, ah, non. Ouais, l'objectif, c'est pas de le ramener. Pidcock, qui va prendre quelques secondes dans les dents, malheureusement. C'est dommage, il a été beau aujourd'hui. On va voir les écarts directement. On a Adam Yates qui prend 18 secondes sur Pogacar et qui en prend 21 sur les autres. Donc Adam Yates qui prend une très très bonne option avant les prochaines étapes. Et ouais, c'est ça, bah, j'ai bien fait voilà, de ne pas faire la jonction avec Pidcock. Il prend quand même 14 secondes hein, dans les dents par rapport aux autres. Il fait pas une très belle opération. Il fait pas une très belle opération, le cyclo-crossman. Bref, allez, on va avancer. Donc, victoire de Grousdev. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact hein, sur la suite. Parce que Grousdev est un coéquipier donc d'Alexander Vlasov chez Astana. J'espère que ça va pas trop changer, que ça va pas changer grand-chose. Et ouais, je rappelle aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais Vingegaard n'est plus là. Hein. Vingegaard s'est fait éliminer lors du précédent épisode, je crois, à l'étape du Col d'Ez. Il a fait n'importe quoi. Il s'est fait, ouais, il était resté à la fin. Il n'était pas concentré. Il s'est fait éliminer avec son binôme. Ou alors, soit l'étape du Col d'Ez, soit celle de Saint-Gervais. Bref, une des deux. En tout cas, il s'est fait éliminer lors du précédent épisode. C'est parti. Deuxième étape, Méribel, La Roche sur Foron. Il y a des bonifs aussi qui peuvent être très très importantes. On voit que c'est très très serré entre tous les coureurs. Celui qui va réussir à chercher les 8, 5 et 2 secondes de bonif va se mettre très très bien. Passage au sommet du col des Aravis. Bon, course plutôt tranquille, comme vous en avez l'habitude. C'est surtout dans les derniers cols que ça se joue la plupart du temps. On n'a qu'un homme à l'avance, c'est Biniam Guirmey, mais ça varie. On a eu Taramae, on a eu Kemna, on a eu Devenins. Puis là, c'est Guirmey qui est à l'avant, donc ça sera plus facile de rattraper un seul homme. Et en plus, avec seulement 4 minutes d'avance. Donc là, on va avoir une vraie bataille sympathique pour la victoire d'étape. Enfin, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour la montée vers le plateau des Glières. J'espère, c'est Pogacar, c'est ça, c'est Pogacar. J'étais en train de voir un mec avec un maillot blanc, c'est Pogacar qui, je sais pas s'il voulait vraiment partir à l'attaque, mais en tout cas, il le fait. Il le fait, et par contre, David Gaudu, lui, il veut partir à l'attaque. Et regardez, c'est bien parce que Vlasov, il a le maillot jaune dans son équipe, et pourtant, il en a rien à faire. Le maillot rose, pardon, ouais, c'est vrai. Le maillot rose dans son équipe, et pourtant, il en a rien à faire, il part quand même à l'attaque. Et ben voilà, les amis, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. On a direct des attaques. Non, par contre, Robert, tranquille. Tranquille Robert, tranquille. On a direct des attaques dans le plateau des Glières, c'est ça qu'on voulait voir, on voulait pas attendre. Ouais, faut pas bloquer Gonzalez, mais on s'en fout de Gonzalez. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pris pour qui? Ah non, il vient rouler pour Mas, ok, je me suis dit Gonzalez, il s'est découvert des talents de leader. Alors il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a forcément des favoris bloqués. Il y a forcément des favoris bloqués ici. Bah il y a Pidcock. Voilà, Pidcock il est bloqué. Et je crois que là c'est bon. Là je crois qu'on va pouvoir y aller. Je crois qu'on va pouvoir y aller. 1, 2. Oh, c'est trop galère. C'est trop galère à compter. Mais Gonzalez, lâche ça, garçon. Laisse les favoris entre eux, s'il te plaît. Ils nous énervent. Ils nous énervent. Allez. Voilà. Bourman, Gonzalez. Bon, Bourman, c'est pareil, mec. À la rigueur, il a un plus grand nom que Gonzalez, quand même, dans le milieu du vélo. Il a des résultats. Allez, on va lâcher Bourman. Et là, je crois que c'est bon. J'espère que personne n'est piégé à l'arrière. Sinon, ça pue quand même pour eux. Bah, si, il y a O'Connor. Mais c'est. Oh, Ben. Benjamin. Allez. Ne sois pas influencé. Faut que tu y ailles tout seul. Voilà. Oh, c'est galère quand même. Quand je dis, faut qu'il nous rajoute un mode caméra. Ça sera beaucoup plus facile pour ce genre de concept. J'ai préféré faire ça plutôt que de sélectionner un coureur. Puisque, bon, je veux pas me la péter. Mais je suis un peu plus fort que l'IA. Donc. Ça aurait été un peu trop facile de le faire gagner, je l'aurais sauvé. En plus, là, c'est sur 4 étapes, donc on peut pas varier entre les étapes. Ou alors, je fais un classement de mon côté et j'ajoute les bonifs et tout. Non, c'est un peu nul, c'est trop nul. Allez, game est terminé. On a donc combien de coureurs? 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon, les 12, ils sont là, c'est bon. Et Ben O'Connor, il s'est mis dans un sacré pétrin, le pauvre.
Alors pour pas influencer, évidemment, on va pas le doubler. Mais il s'est mis dans un sacré pétrin, l'Australien. Enfin, c'est bon, on est enfin... C'est bon, là, on est enfin tranquille. On était un peu dans le... Ah, mais c'est moi le favori en question. On était un peu dans le flou, là. J'étais en train de chercher qui est où. Enfin, on sait qui est où, qui est qui. Et donc, voilà, ce groupe de 10. Et ouais, O'Connor, il s'est mis dans un sacré caca, là. Sans vulgarité, mais il aurait pu réagir un peu plus tôt. Il a réagi assez tardivement, l'Australien. Et on va avoir une bataille hein, pour les bonifs. Fait regarder comment c'est serré. Évidemment que ça risque de sprinter. Et ouais, ça sprint, ça sprint, ça sprint. Alors j'ai pas envie d'influencer O'Connor, donc on va regarder de très très loin. C'est Godu qui est en tête. Et Godu, il a des fourmis dans les jambes. Hein. Il fait que d'attaquer depuis tout à l'heure. Il est complètement, complètement fou, complètement en forme, le Français. Et qui est-ce qui va prendre ces 8 secondes primordiales? Et c'est Vlasov qui est passé en tête. Vlasov qui est passé en tête. On les voit là-bas, on voit pas très bien. C'est Vlasov, ouais, Vlasov qui passe en tête. Devant Godu et Geraint Thomas. Et Adam Yates qui ne réussit pas à en prendre. Vlasov qui fait une très très belle opération aujourd'hui. Va falloir confirmer hein, avec l'arrivée à La Roche sur Foron. Une arrivée en descente après un col. Ah, le col des Fleuries, c'est pas ouf, mais il y a quand même moyen de faire de beaux écarts. Allez, il faut que O'Connor réussisse à rentrer. Voilà. Statu quo, ça se regarde. O'Connor qui va réussir à rentrer. Et nous aussi, on va rentrer. On va regarder de loin. Voilà, hop, on est 13. On fait plus aucun effort. Il n'y a aucun repos. Il n'y a aucun repos parce que ça attaque dans la descente avec Pidcock et Carapace. Pidcock, il a vu hier qu'il était un peu limite. Même pas en vrai. J'allais dire qu'il était un peu limite. C'est parce qu'il a attaqué un hein, Pidcock hier. Mais il a craqué dans les 500 derniers mètres. Malheureusement, c'est celui qui est en dernière position actuellement. Ouais, faut qu'il reprenne son retard. Et il tente de partir de très très loin. Bon, les écarts sont pas folichons pour le moment, à peine 13-14 secondes. Mais si ça insiste, en plus on est sur un duo, donc ça devrait pédaler, il devrait s'entendre. Si ça insiste, ça peut faire des écarts. Allez, on est à Torrens-sur-Glière, c'est parti pour la dernière ascension du jour. Comme j'ai dit, c'est pas foufou, hein. C'est pas fifou, c'est pas pour rien que c'était pas répertorié dans la réalité sur cette étape. 5 km 600 à 4,7%, il y a quand même de quoi faire. Mais bon, c'est pas foufou. Et ensuite, on aura une belle descente de 10 km. Mais Pidcock, vous le voyez, on parlait tout à l'heure que l'écart peut se creuser. Pidcock, il crée la surprise jusqu'au bout. Il a utilisé des superbes... c'est quoi l'expression déjà? Il a utilisé assez bien. Ouais, il a... J'ai pas l'expression, les gars. Putain, je voulais... Oh, pardon. Oh, non, non. Oh, j'empire. Tout ce que je sors de ma bouche, c'est pas du tout de l'or, pour le coup. Bref. Allez, Thomas Pidcock. Allez, enfin ça réagit, ça laissait 1,22 à Pidcock. Il était temps de réagir, c'est Tadej Pogacar qui attaque, qui en met une. Ça peut se jouer à pas grand chose, hein. Ce tour, comme j'ai dit, si les coureurs sont à égalité, ça peut se jouer à la place aussi. Il suffirait qu'on ait 3 coureurs à égalité autour des 5e, 6e et 7e places. Ça serait les boules quand même de se voir éliminer à cause voilà, de mauvais sprints finaux. Donc on essaie un peu d'anticiper pour éviter ce genre de risque. Et c'est David Godu qui va cette fois-ci. On a vu que Carapaz n'a pas réussi à suivre la roue, à prendre la roue de Tom Pidcock dans la descente. Hein. Il a fait une descente absolument phénoménale. Le Britannique, il va rattraper sa bourde entre guillemets d'hier. Il va aller s'imposer, ça c'est formidable. Ça c'est beau ce qu'il a fait Tom Pidcock aujourd'hui. Un véritable spectacle. Il va plonger dans la descente avec 30 secondes d'avance sur Carapace, qui a fait une très belle étape aussi l'équatorien. Et qui prend une option, hein. C'est pareil, ça se joue à ce genre de choses. Hein. C'est sur les étapes qui arrivent en descente, où les autres voilà, se disent, bon, bah, on va se regarder, puis on va arriver ensemble. On attend le Granon. Le Granon, forcément, il fait peur. Bah là, on a deux coureurs qui ont essayé d'anticiper. Et David Godu qui passe au sommet également, mais ça attaque. Derrière, ça attaque. Vanderpool qui m'a pas paru très très rassurant quand même sur ce début de, tour. Allez, toujours, on va se mettre à l'arrière sans faire trop trop d'efforts. Très statu quo, hein, très statu quo. Moi, je m'attendais à des étapes où on a des écarts de... On a des écarts assez... Bon, j'allais pas dire phénoménal, mais au moins des écarts tout court. Voilà, sans ajouter d'adjectifs. Là, on n'en a pas au final. Statu quo entre ces 9 coureurs. Godu qui va prendre 15 secondes et encore, il va peut-être se faire reprendre. À l'avant, heureusement que Pidcock et Carapaz ont un peu décanté tout ça dans la descente. Mais sinon, ouais, c'est pas... C'est pas folichon, folichon, ça se regarde, ça attend le Granon, hein. Sans doute que ça a conscience de la dernière étape, ça attend le Granon. Énorme victoire de Tom Pidcock qui crée encore et encore la sensation. Il va s'imposer, il va prendre le maillot jaune, hein. C'est quasi sûr. C'est à coup sûr qu'il va prendre le maillot jaune aujourd'hui, il a créé des très beaux écarts. Il avait quasiment une trentaine, quarantaine de secondes de retard. Et on a Godu et Carapace aussi qui vont faire une
belle petite opération. C'est pas des écarts non plus de zinzin, hein, comme on parlait, mais ça reste des écarts. Et donc ils font une bonne opération pendant que derrière on arrive groupé. Il y a peut-être même une petite cassure de 5 ou 6 secondes qui a été décomptée entre Evenepoel, Thomas et l'autre groupe. Ouais, faut les prendre en compte aussi, les bonifs, parce qu'on a oublié, mais Vlasov il fait une belle opération aussi. Il prend les 8 secondes, Thomas il en a pris 2 derrière, mais regardez, il y a une petite cassure intéressante. 5 secondes, ça va se jouer à pas grand chose ce tour, ça c'est sûr, sûr et certain. Thomas, Evenepoel et O'Connor qui prennent 5 secondes, Thomas qui en prend que 3 du coup si on retire les 2 secondes. Vlasov qui fait une belle perf aussi. Godu, il prend les 4 secondes de bonif plus les 5 au sommet du plateau des Glières. Et devant, Pidcock et Carapace. Pidcock il prend 1,22, c'est assez énorme, hein, ce qu'il a fait aujourd'hui le Britannique au classement général. Donc pour l'instant, éliminé. Mas, Hindley, Roglic, Thomas, Evenepoel, O'Connor. Waouh, quand même, waouh, waouh, waouh. En même temps, il n'y a que des gros coureurs, hein, c'est clair. Il y a Pogacar qui passe entre les mailles du filet, mais c'est limite. Vlasov, Godu, Yates, Carapace et Pidcock. Allez, il en reste encore 2 étapes, évidemment, c'est pas fini. Mais Pidcock, il s'est mis très très bien aujourd'hui. Allez, une nouvelle étape qui arrive en descente. Et ouais, nouvelle étape qui arrive en descente, il y en a deux. Annemasse, Morzine, avec le col du Jouplan, notamment. C'est parti, je pense que tout se jouera dans le col de Jouplan. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'activité avant. On passe au sommet du col de la Rama. Toujours beaucoup d'avance laissée aux échappées. Voilà, ça joue pas trop les étapes, ça joue plutôt le général. Ça veut s'envoyer des bastos entre favoris tranquillement sans avoir le poids de la course sur les épaules. Ok, très bien. C'est tolérable, c'est compréhensible. Bref, voilà. Bah, y a rien, hein. Y a rien à dire. À part quelques coureurs à l'avant. Pour l'instant, tranquille. Forcément, sur ce genre de profil, c'était sûr qu'il allait rien se passer avant le col de Jouplan. C'est parti pour le col de Jouplan. Et il m'a pris par sursaut. Hein. David Godu, il a attaqué dès le pied, littéralement. Il a des énormes... Ah, désolé du terme, les amis, mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Pour attaquer dès le pied du col de Jouplan, il faut des énormes couillasses. Il faut le dire. C'est réel. Des énormes couronnes. Des énormes bances. Peu importe. Parce que là, David Godu, il fait quelque chose d'assez fou. Il veut aller chercher David Godon. Il veut aller chercher les bonifs au sommet. Et c'est normal. C'est compréhensible. Il y en a une nouvelle attaque. Hein. Adam Yates ensuite qui part... Et attention, j'avais vu un groupe Evenepoel là un peu piégé. Il y a un groupe où Evenepoel est piégé dans ce groupe-ci là. Qu'est-ce qu'il fait le Belge? Qu'est-ce qu'il fait le Belge? C'est du grand n'importe quoi, Evenepoel. Evenepoel est à l'arrière. Ah, c'est le groupe ici là. Ben oui, mais il est dans le groupe là, le groupe que vous voyez derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Le champion du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il y a O'Connor aussi qui est juste ici, je viens de le voir. Donc nous, on va rester dans le peloton pour l'instant. On va attendre les derniers. Evenepoel, qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est assez fou. Il est où le champion du monde? J'arrive pas à le voir. Il est là. Avec son maillot. Au moins, on peut le repérer de loin maintenant. Parce que je l'avais pas mis dans les épisodes précédents. Mais O'Connor, mais réagis, mec! Oh! Mais c'est fou, ça! Mais ils sont en train de laisser... Non, mais mec, mais non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas... Bah ouais, Evenepoel, il attaque. Il est pas con. O'Connor, par contre, il est un peu débile. Il attend comme ça. Qu'est-ce qu'il attend, au juste? Tiens, je vais dire à tous mes coéquipiers, là. Hop, ne pas s'accrocher, voilà, terminé tranquille. Merci. Et O'Connor. Mais O'Connor, en fait, j'ai l'impression que c'est à cause de moi qu'il bug un peu. Oh non, voilà, il attaque. Mais non, mais mec, mais t'as rien compris. Bah, moi j'y vais, attends, je vais pas l'attendre. Hein. Qu'est-ce qu'il fabrique, le Ben? Eh, moi j'y vais. Va falloir qu'il y aille maintenant, Ben O'Connor. Parce que là, ah bah voilà, il attaque, ok. En fait, je pense que c'était ma présence dans le groupe, il attendait que moi je roule. C'est pour ça. Non, il faut que tu y ailles directement, Ben. Il faut que tu y ailles directement, puisque là, t'es en train de te faire piéger comme un amateur. Hop, et voilà. Maintenant, il est obligé d'y aller tout seul. Il peut pas attendre de moi que je lui passe des relais. On est bon. Et Godu qui va rattraper Godon. Godu qui rattrape Godon, c'est un peu... C'est rigolo. C'est rigolo comme situation. Voilà, si vous avez pas d'humour, c'est pas mon problème. Godu, Pogacar, Yates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Et O'Connor, 12. Purée, mais qu'est-ce qu'il est bête. Oh là là, c'est terrible. Mais après, c'est pas ma faute parce que tous les autres, les 11 autres, ils ont attaqué. Il y en a un seul qui est pas parti. Bah, c'est Ben O'Connor. C'est son problème. Les autres, ils m'ont pas attendu. Hein. Lui, il m'a attendu, mais les autres, ils m'ont pas attendu. Oh, il a pris 3 minutes dans les dents. Mais même plus. Godu vient de reprendre Godon. La vitesse de l'éclair, c'est absolument incroyable. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce que Ben O'Connor va subir aujourd'hui. Et nous, du coup, on va pas pouvoir voir ce qui se passe à l'avant. C'est dommage. C'est dommage. Ou alors j'espère qu'on va réussir à aller... Oh là, regardez, c'est n'importe quoi. Regardez la vitesse à laquelle l'écart descend sur la gauche. C'est fou.
Oh, Johansen, désolé mon pote, hein, là on a aucune pitch, on va pas t'attendre. Hein. On va essayer un truc, j'ai envie d'aller voir un peu plus haut, j'ai envie d'aller voir Evenepoel. Donc on va attaquer en fait, ah bah tiens il va retomber sur Godon, on va attaquer Ben O'Connor. On va tenter d'attaquer Ben O'Connor, j'espère que ça va réussir. Allez hop, non non ouais, suis-moi, vas-y, bah suis-moi, tiens, une petite tête puisqu'il est un peu en difficulté. Ah il a pas réussi à prendre la roue malheureusement, aïe aïe aïe, j'aurais bien voulu l'aider quand même le pauvre. Bon il a réussi à limiter la casse, hein. Il était à 5 minutes quasiment de Godu tout à l'heure, il est à 2,23 désormais. Et allez, faut qu'on aille chercher Evenepoel, il est ici, il s'est mis dans une crasse, dans un bourbier monumental. Evenepoel, il est 11e au général. O'Connor 12e, aïe aïe aïe. Je, voilà, je le montre quand même, ça peut être intéressant. Mais il n'y a pas de bidouillage, hein. Evenepoel, on est bien sur ses grosses stats à 82 de général. C'est dur, c'est très très dur pour le champion du monde là qui sent que ça peut basculer, qui sent que c'est en train de basculer son Koh-Lanta. Lui qui a été si brillant depuis le départ, qui a fait ce qu'il fallait faire, il n'a pas gagné beaucoup. Il n'a pas beaucoup gagné plutôt, j'allais dire il n'a pas gagné beaucoup de courses. Ouais, il n'a pas beaucoup gagné mais il a fait ce qu'il fallait faire. Et malheureusement aujourd'hui c'est en train de basculer, hein. Il prend une 19, ça paraît pas beaucoup. Mais ça peut suffire, ça peut suffire. À l'avant j'avais pas vu mais Godu s'est fait rejoindre par Pogacar et Yates. Qui confirme, hein, Pogacar et Yates, qu'il va falloir compter sur eux lors du prochain épisode. Ils sont en forme. Est-ce qu'on a un autre courant? Non, il y a un groupe de 5 ici. Mais regardez, mais c'est très serré, c'est incroyable. C'est toujours serré, quoi. C'est toujours serré. On les voit au fond. On les voit au fond. J'espère que vous avez un œil affûté. Moi, j'arrive à les voir. C'est trop, trop serré. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Inley et Thomas. Inley et Thomas aussi. Et on a 4 maillons faibles. Hein. Inley, Thomas, Evenepoel et O'Connor. C'est triste. Mais ces 4 courants-là, ils sont en difficulté. Ils étaient en difficulté même hier. Et ils le sont encore aujourd'hui. Et Godu, Pogacar, Yates, ils sont vite. Ils sont vite à être entre guillemets en forme. Attention à rester quand même concentré, lucide dans la descente, hein, qui va être primordial. Et Godu qui prend les 8 secondes. Il est fort le français. Il est très très fort aujourd'hui. Pogacar, Yates qui prennent les autres bonifs. Bon, Godu, maillot à poids, ça change. Ouais, ça peut changer quelque chose. Déjà, il dit maillot à poids alors qu'on est avec le kit Tour d'Italie. Hein. Grosse erreur, c'est le maillot bleu. Bref. Bravo, Cyanide. Je vous félicite pas. Je ne vous félicite pas. Mais ça peut lui apporter un bonus pour l'étape suivante. Donc pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ça peut lui apporter un bonus. De toute manière, on peut pas retirer les points du maillot pour, quand on lance un maillot tour. Ça, c'est pas quelque chose de possible. Allez, faut essayer d'aller chercher Evenepoel au moins pour voir la course d'un peu plus près. Puisque là, on est à 1,22. J'ai préféré partir en retard. Mais évidemment, on va pas tout voir. Et O'Connor, ouais. O'Connor qui signe son arrêt de mort. Malheureusement, j'ai l'impression que là, il n'en reviendra pas. Il ne se relèvera pas. L'étape de demain, va falloir qu'il nous sorte quelque chose de très très grand. S'il veut aller chercher le top 6. Et attention, ça se regarde à l'avant, là, Evenepoel, il est en train de quasiment pousser les cas. Yates, non, bah non, j'allais dire Inley et Thomas. Inley et Thomas, ils sont pas loin non plus. On va avoir un sprint. Oh non, oh non. Oh non, oh c'est terrible. C'est terrible. Oh c'est terrible, oh c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur pour Evenepoel. Oh c'est terrible, il était en forme en plus. Enfin, il était en forme, il était fort dans cette descente, il allait rentrer. Oh, j'ai de la peine. Oh, j'ai franchement de la peine. Oh, le pauvre. Non, c'est pas possible. Oh, c'est terrible. Remco, franchement. Oh, mon pauvre, c'est terrible. J'ai vraiment éprouvé de la peine. Hein. C'est terrible. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bon, allez, Remco Evenepoel qui va en terminer très très long. Il sera blessé pour demain. On va pas faire de faux espoirs. Hein. Ça va être très très dur pour le Belge. Oh, bah super. Bah, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Bah, allez, on va laisser O'Connor passer. Voilà, hop. Qui va finir 12ème donc. Qui va remporter ce... Oh c'est encore Pidcock. C'est incroyable. C'est encore Tom Pidcock qui s'impose. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Deux victoires d'étape d'affilée. Mas qui prend... J'ai pas vu qui fait 3ème et... Qui fait 2 et 3. J'ai pas vu. C'est terrible. On va aller voir le ralenti tiens du coup. Du sprint. Ça va être sympa. Allez petit ralenti du kiff. Là on est sur Inley et Thomas. Donc qui prennent un peu de retard. On a Vlasov et Adamietz qui... Ouais on galérait dans la descente à accrocher les roues hein. Ils ont eu du mal à accrocher les roues. Regardez, ouais, Pidcock au kilomètre important. Il est pas si bien placé. Et là, on a le sprint qui est lancé. Avec Pidcock, le maillot rose sur la droite qui prend les devants. Et qui va aller s'imposer devant Godu et Tadej Pogacar qui prennent les bonifs. Donc, ouais, Godu, il finit devant Tadej. Hein. Godu finit devant Tadej, c'est assez clair ici. Et Pidcock qui fait encore une sacrée opération. Est-ce qu'il sera résistant lors du col du Granon? On l'espère puisqu'il le mérite.
Bon, celui qui fait la meilleure opération aujourd'hui malgré la victoire de Pidcock, c'est donc David Godu qui avait pris 8 secondes au sommet et qui termine deuxième, qui se rajoute 6. Donc ça fait moins 14 pour David Godu qui doit être très très bien placé. Pareil pour Pogacar, moins 9. Adam Yates qui s'en sort bien. Il y a pas eu des cassures de décompté, mais ils n'étaient pas exactement dans le même groupe hein, sur la ligne d'arrivée. Donc Adam Yates, ça fait moins 2. Carapaz et Roglic qui en terminent dans le même temps, et là on a les perdants. On a Thomas, on a Hindley, Evenepoel qui va pas subir de conséquences de sa chute, mais moralement là ça a dû lui faire très très mal. C'est le mec qui invente une narration pour des personnages d'intelligence artificielle. Et O'Connor donc deuxième. 12e plutôt à 1,33. Les deux perdants ils sont là. Les deux perdants ils sont là. Au général, ça doit ressembler à peu près à ça. Pidcock premier, Carapaz toujours deuxième, Godu qui prend une place, Pogacar qui prend une place, et donc le top 6 entre guillemets qui reste inchangé hein, puisque on n'a aucun coureur qui intègre ce top 6 et tout va se jouer dans le col du Granon. Mas, Roglic, Hindley, Thomas, Evenepoel, O'Connor pour l'instant condamné. O'Connor et Evenepoel, ça va être très compliqué de retourner à la situation. En revanche, Thomas qui est à peine à 31 secondes de Vlasov, c'est possible. Dans une belle journée, Geraint Thomas il peut aller la chercher. Allez, c'est parti les amis, la dernière étape, l'étape reine de ce petit tour de 4 étapes, c'est 4 jours sans sommeil. Ouais, on est sur Koh Lanta, faut trouver un thème. On est dans le col du Télégraphe et encore une fois dans ce jeu de fou, ça attaque dès le pied. Regardez-moi ça, Henrik Maas qui part avec Roglic, Adam Yates, Pidcock, Nibali. Et c'est Nibali. Bah ouais, Nibali, mais il n'existe plus Nibali. Enfin, c'est son frère évidemment, mais c'est pas le Nibali, c'est pas le Nibali qui a remporté le Tour de France en 2014 notamment. Mogrouchtef et Nibali, donc c'est à côté. Et voilà, on est obligé de réagir à l'arrière. On est obligé de réagir à l'arrière évidemment. Hindley qui sort. Et doit y avoir des piégés. Richard Carapaz qui est piégé. Bah oui, il est obligé de sortir. Hein. Il est obligé de sortir le Richard. David Godu qui est piégé. Mais il faut sortir, David. Il faut partir. Mais voilà, il a compris. Il est en train d'attaquer. Il est en train d'attaquer, David Godu. Là, les mecs, il faut sortir. Et Evenepoel, il en a profité. Hein. Il y a eu un petit. En fait, ils sont sortis un peu sans faire exprès, en gros. Ils étaient à l'avant du groupe et il y a eu une cassure. Donc, ils ont continué de rouler, tout simplement. Et donc, ils sont sortis, en fait, sans faire exprès. Et donc là, on a... Attends, je compte pour voir s'il y a tout le monde. Maas, Roglic, Evenepoel, Yates, Pidcock. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Il y a encore Pogacar. Oh là 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 là, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore Pogacar, il y a encore du monde qui est piégé là. À l'arrière, dans le peloton, il va falloir réagir les amis. Il va falloir sortir, hein. Pogacar, j'ai l'impression qu'il fait rouler, mais en fait la meilleure des solutions c'est de sortir toi-même. Allez, on se met à l'arrière. Et Henrik Maas qui repart à l'avant. C'est du grand n'importe quoi. Là, ça commence à devenir n'importe quoi. Allez, Devenance, Boll, Moscon évidemment, Mollard aussi. Et voilà, ils sont 5 donc à l'avant. Bah écoutez, on va suivre. On va pas attendre ceux derrière. On va suivre ceux-là. Pour une fois, on va regarder à l'avant de la course. Allez, Jane Lee là avec Geraint Thomas qui reviennent. Eux au moins ils ont réagi assez rapidement. Et Pogacar, bah, il était temps. Merci Tadej. Il était temps. Et on a encore O'Connor. Ah, c'est pas possible. Ce mec, il fait exprès. Hein. Franchement, lui, il fait exprès. O'Connor, il est encore présent. On va regarder. Ouais, est-ce que tout le monde est... Non, il y a que O'Connor. Il y a que O'Connor qui a pas réagi. Il y a Vlasov aussi qui est parti à réaction. Quand même. Vlasov, ouais, il était temps aussi. Non, ah bah, enfin. Eh ben, O'Connor. Non, mais c'est incroyable, ce type. C'est incroyable, ce type. Le mec, et ta réaction, vraiment. C'est assez fou. En dilettante, pas concentré. Et Henrik Maas donc qui est sorti, et pour l'instant on a plein de petits morceaux de coureurs. Thomas qui n'attend même pas Hindley derrière lui, il pense qu'à sa tronche, et il a bien raison. À 4 km du sommet, le petit point, toujours Maas devant, 4 coureurs derrière, Evenepoel qui est en train de faire une sacrée opération. Hindley et Thomas qui sont toujours ensemble, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment bien. On a Carapaz derrière nous, David Godu et Pogacar piégés, et Vlasov et O'Connor dans un autre rang. Attention, hein, Vlasov, il était quand même dans une très belle position à la 6ème place. Il est en train de payer très très cher son manque d'attention. Pareil pour Pogacar, pareil pour Godu. Va falloir rentrer très très vite pour les deux premiers du Paris-Nice 2023. Carapaz aussi, là, qui était deuxième. Va falloir qu'il fasse assez vite la jonction. Évidemment, on va pas l'attendre, ça fait pas partie du jeu. Thomas Hindley de leur côté, qui devrait aussi incessamment sous peu faire la jonction avec le groupe de 4. Et Henrik Maas qui se lance quand même dans une tentative suicidaire. Après, lui, il est 7ème, il faut qu'il tente le tout pour le tout. Mais malgré tout, c'est quand même risqué. Bon, j'ai l'impression qu'on a un Carapaz qui joue battu. Je me suis mis derrière lui. Il va quand même pas à une allure assez dingue. Il y a Pogacar et Godu juste derrière nous.
Donc ils sont juste ici. Ouais, ils sont juste ici. Il va falloir qu'ils y aillent tout seuls aussi. J'ai pas envie d'influencer. Donc on va les laisser dans un groupe tous les deux. Vlassov au Gonor par contre. Ouais. Je donne pas cher de leur peau. Hein. C'est triste, mais je donne vraiment, vraiment pas cher de leur peau. Henrik Maas, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Pidcock, Yates, c'est ceux qui sont dans la meilleure position. Hindley et Thomas n'ont toujours pas fait la jonction. C'est assez fou. Et là, regardez la barre bleue de Stannaert. Imaginez celle des autres. On a les notes du maximum au maximum. Imaginez la barre bleue des autres. Ça commence à temporiser. Ça commence à comprendre que partir aussitôt, c'est peut-être pas la bonne décision. Donc, Henrik Maas qui est attendu derrière. Hindley, Geraint Thomas qui sont rentrés. Carapaz qui va attendre Pogacar et Godu pardon, qui sont juste ici. Et je pense qu'on va faire, on va avoir une jonction imminente. Vlasov, O'Connor aussi qui se sont un peu remobilisés. Ils ont réussi à reprendre du temps. Peut-être qu'on va avoir un statu quo, donc au sommet du Golibier, que tout se jouera dans le Granon. Et voilà, la jonction elle est présente, la jonction elle est présente. Godu et Pogacar qui en ont chié, mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés les deux premiers du Paris-Nice 2023, comme j'ai dit. Est-ce que O'Connor et Vlasov derrière, ça va le faire? C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Déjà qu'O'Connor, il n'est pas dans une bonne position en général. En revanche, Vlasov, il a encore un truc à jouer. Et tout devrait se jouer dans le col du Granon. Là, à mon avis, ça attaquera pas avant le sommet. On est à 300 mètres du sommet du Galibier, il ne s'est rien passé. Voilà, si c'était passé quelque chose, je vous l'aurais montré, j'aurais mis un petit truc, une petite attaque, il ne s'est rien passé, ils se sont regardés pendant toute l'ascension, et donc voilà, on va prendre les poids, et c'est, il est pas con, hein, Godu. Ah non, il passe que deuxième, bon, ça devrait suffire quand même pour lui, quoique, ouais, si, ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour David Godu. C'est parti donc dans la descente, pas impossible, en revanche, de voir des attaques dans la descente, donc pour éviter d'interférer, comme j'ai dit, hop. Là par exemple j'interfère déjà, on va se mettre tout à l'arrière du groupe. On est au pied du col du Granon et regardez, ça a tellement pas roulé, il y a des coureurs derrière qui sont rentrés. Il y a des coureurs derrière qui sont rentrés, on a même Hale Michael et Johnstone, les deux coureurs de la Caroual qui sont sortis. Donc c'est quand même spécial comme situation. Et bon voilà, voilà les mecs, on est sur le jeu Tour de France, on est sur le meilleur jeu de la décennie les gars. Forcément qu'il y a des attaques, forcément que ça s'anime. Allez. C'est donc Roglic et Yates qui partent en premier. Yates pourtant il n'a pas grand chose à craindre. En revanche Roglic lui il sait qu'il va falloir reprendre du temps aujourd'hui. Pogacar, Hindley, Maas. J'espère que je bloque personne. Non c'était pas Thomas. Thomas il est ici, c'est bon. Godu est ici. Allez on devrait vite avoir les 12 meilleurs hein, qui devraient s'extirper du peloton. Pidcock est ici. Et derrière ça devrait craquer. O'Connor il est encore, O'Connor, il est encore à la ramasse. Hein. Il en a pas marre un peu ou pas? Il fait que de ne pas suivre. Il a pas compris qu'il fallait être offensif, mec. Quand t'es 12ème, il faut attaquer. Il faut un peu attaquer. À moins qu'il vise. Il peut viser la 11ème place. Il a le droit. Il a le droit au moins de viser la non-humiliation. Il a le droit. Et allez, il s'agira enfin de sortir. Est-ce qu'on a un favori piégé ici? On a personne. On a personne. Donc à partir avec O'Connor et Carapace. Ah non, mais ils sont influencés par moi. Voilà, hop, on bloque. Allez, c'est parti, les gars. Allez. Allez, Richard. Attention Richard, hein, parce que là, deuxième à 51 secondes, les écarts sont pas folichons. Le plus dangereux, c'est Henrik Maas, pardon, qui a 1,28. Tout devant, on a Hindley, Roglic, Maas et Adam Yates. Roglic et Maas, ils sont pas dans le top 6 initial. Hein. Donc attention, les écarts restent quand même très très légers pour le moment. Mais on a une ascension du col du Granon, bien sûr, qui est terrible, surtout dans les... On voit la petite aspérité sur le profil, où ça monte un peu, juste avant le premier... Ah, le premier petit trait orange. On est sur des pourcentages à 12%. Dans cette partie, il faut pas craquer. On a des coureurs qui étaient qualifiés ce matin qui se font piéger. Pogacar, Godu, Vlasov, Pidcock, Carapaz quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Simplement Adam Yates qui était dans le top 6 ce matin, qui est au rendez-vous. Voilà. Il faut faire partie de la première moitié. Ça paraît quand même faisable chez certains. Mais on est en train de se faire piéger Pogacar techniquement avec ses 12 secondes de retard. Il est encore dans le jeu. Mais va pas falloir que ça empire. Il doit être ici. Ouais, il a à peine du retard. Il a quelques mètres. Hein. Il a quelques mètres, mais il n'arrive pas à aller. Voilà, ça y est, il a réussi. Il a réussi à les combler. En revanche, Godu, Vlasov et Pidcock. Surtout Pidcock qui avait fait un super tour jusqu'à présent. Le col du Granon, c'est le coup de massue pour lui. Lui qui avait été en forme, bien sûr. Deux victoires d'étape, quand même, c'est pas par hasard. Carapaz ne prend aucun relais à Ben O'Connor. C'est O'Connor qui roule depuis tout à l'heure. Il doit pas être en forme, l'équatorien. Ou alors c'est l'Australien qui est débile et qui. De toute manière, voilà, O'Connor dans la réalité, c'est vraiment un super type. Mais là, dans le jeu, c'est un débile profond. Le mec est complètement débile. Il fait que des mauvais choix.
il ne laisse absolument pas Carapace passer. Hein. Voilà, là, on y est depuis un kilomètre. C'est lui qui roule à fond. Mais il va se faire doubler. Hein. En vrai, il sait qu'il est 12e. Il va finir dernier. Foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Allez, on aide le poteau Richard Carapace. Bon, pour l'instant, c'est pas très efficace. Ils n'arrivent pas à reprendre le temps sur la tête. Et Carapace, pour l'instant, qui est éliminé hein, provisoirement, évidemment. David Gaudu aussi, qui faisait une super course, est éliminé. Et Alexander Vlasov qui a attaqué le groupe Peacock et Gaudu. Et qui est sur le point de rentrer peut-être à l'avant. Ça va être encore une fois très très serré. Ça va être une histoire de bonif. Une histoire de bonif. On a que des super grimpeurs et pourtant ils n'arrivent pas à faire des écarts. Enfin non, justement, ma phrase elle est un peu contradictoire. Mais on a des grimpeurs, on a quand même des grimpeurs qui sont meilleurs que d'autres et ça n'arrive pas à faire des écarts. Evenepoel, va falloir qu'il attaque puisque c'est le moins bien placé dans ce septuor. Ouais, j'ai pas le terme en tête. Enfin, c'est le moins bien placé dans ce groupe de 7. Donc s'il veut réussir à intégrer du coup le top 6, il faut pas qu'il finisse avec 6 autres coureurs. Sinon, les mathématiques sont claires, il va terminer la dernière place. Il va terminer à la place du con, comme on dit, la place de la médaille en chocolat, là, très clairement. Allez, la flamme rouge, le dernier kilomètre plutôt de ce tour. Vlasov qui ne réussit pas à faire la jonction, et ouais, il va perdre. Hein. Il va perdre son top 6 aujourd'hui, Vlasov. Ça se jouait à 8 secondes près avec Henrik Maas. Et le top 6, on l'a quasiment là, à moins que Pidcock peut encore espérer. Il peut encore espérer faire partie du jeu. Tom Pidcock, mais il va falloir un très très gros sprint final de son côté. Carapace, O'Connor, c'est mort. Gaudu, c'est mort. Malheureusement, il avait fait aussi. C'est étonnant. Hein. Gaudu et Pidcock ont été très bons sur les 3 premières étapes. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas passé. Et c'est Hindley qui s'impose en masse. Pogacar, Evenepoel, Roglic, Thomas, Adam Yates. Evenepoel est donc éliminé. Coup de massue quand même. Le champion du monde. Et ça en termine ici avec O'Connor. Richard Carapace. O'Connor au moins. Allez, qui va pas finir dernier. Ouais, Carapace n'était pas en forme du tout. Il n'a pas pris un relais de l'ascension. Et ça y est, il franchit la ligne. Richard Carapace en dernière position donc. C'est terrible. Là, on a eu quand même pas mal de chamboulements. On s'attendait pas à ce que certains coureurs prennent aussi cher au niveau physique surtout. C'est drôle quand même. Jane Lee, Victor Pogacar avait chuté. Ah, Carapace aussi a chuté. Voilà. Ceci explique cela. Mais Pogacar qui a chuté, qui fait quand même une énorme perf. Alors ça, dis donc, on a quelques écarts créés sur le sprint, ça va se jouer à pas grand chose. Attention, on va passer pour avoir le classement général final, donc. Ah, il y a quand même, c'est pas non plus giga serré entre le 6ème et le 7ème, mais regardez les écarts, on a eu 4 étapes. Pidcock, il reste, alors ça, je m'y attendais pas du tout. J'ai mal vu les écarts ou quoi, Pidcock, une 14, non, Pidcock, il a bien, mais oui, Pidcock a attaqué Gaudu, hein. Et ouais, j'avais pas fait gaffe, Pidcock qui conserve son maillot rose, c'est absolument exceptionnel. Le tour du Britannique est exceptionnel, ça nous donne donc Tom Pidcock, Pogacar, Adam Yates, Henrik Maas, Roglic et Jay Hindley qualifiés pour le dernier carré. Et on perd Vlasov, Thomas, Gaudu, Carapace, ah, la chute elle l'a tué, Evenepoel et Ben O'Connor. Eh bien dis donc les amis, franchement c'était sacrément divertissant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans 3 ou 4 jours pour la suite et quasiment la fin avec les 6 derniers coureurs. Donc vous les voyez ici, Hindley, Roglic, Maas, Adam Yates, Pogacar et Pidcock. À très très bientôt pour la fin de ce Koh-Lanta, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. On se retrouve très bientôt, plein de bisous.